députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais les dire. Bote lissusu bandeko nanga, bino bandeko oyangai. Tosa jeudi 11 mai 2023. Nous venons de lui rendre hommage, l'honorable Zobel. Eli Yakasai. Lobi Tongo Akokende Nambo Kanaiko Kundama. La terre des hommes. Je suis tombé sur un document na ligne à partager na bino. Espérance de vie à artiste congolais. Artiste congolais koufa kana age nini. Dans ce numéro e kosunga yo oyeba. Ce qui a yo tour e komi na niveau nini. Masolona de pité tokotanga vie ya public ya SNCC. Masolona de pité VPM et à économie enfin a compris que marchandises, après notre intervention, lobby l'Assemblée nationale, il a compris que Tozana Biloko Akolia Namboka a lobby va procéder à un recensement pour Nakeba évacuer Yango. Nous comprenons toujours en retard. Je ne sais pas ce qui est politique en Gwezandengeni. Willy Bolio, je vais le recevoir prochainement. Recours. Na quelques chefs coutumiers à Bateke, à la Monisco, pour la situation ya Kwamutu, pour na lui, pour na ye, ils ont dit que baso boma Bateke, mokile kotala, masolo. C'est dans ce numéro. Il y a une vidéo bande kolanga na kotie labino, balobi wana que devant la presse. Devant le président sud-africain, Museveni révèle qu'il a dit à Félix Tshisekedi, « Félix, êtes-vous du côté des traîtres ou des combattants de la liberté ?» Voilà, bande kolanga na lingi to ramasser moi biloko wana un peu rapidement. To solo la bisona bino. Na senga kabino soki o sololi o partagele pe moninga lien. O bengi pe moninga o bo solo la kanaye. Bo beti mo ali solo. Bo koki ko diskite, ce n'est pas la tête de M. Tambo qui compte. C'est ce que M. Tambo dit. Soki za malam, bozui, soki za mabe boti ki me yo kananu. Toza kapena ba TikTok. Hermoko toko bana ko pesa bino ba précision ya makambu nyoso na YouTube toza na ndeko Eliezer toko koma okoti wana ko zwa biloko il faut ko partager ko solo na bato Facebook na ngane na kota ka une fois l'an ba Facebook ebele wana bomona ke zangate o muntu azo komela muntu ay komelio makambu musala makambu apnide ezangate. J'informe encore au capable. Parce que je suis à ce niveau-là des informations, de communiquer. J'informe à tous les capables candidats que samedi, il faut bozala zala na siège. Ceux qui ont zali banda tinda batunayo, bakota en contact avec la centrale électorale, il y a parti, parce qu'on n'a plus de temps. Ozana dossier na yo, ozana nini. C'est samedi à 9h juste. Tous les capables, ozana ambition politique. Olingo zala candidat, ozala libanda yamboka, ozala awa. C'est samedi, soki ozala libanda tinda batuna yo, soki ozana Kinshasa, yakayo moko. Soki ozana intérieur, tokope sabino numéro ya centrale électorale na biso, ba o bazali ko s'occuper na ba candidature, pona ko prêter ba dossier, pona kota la ce que chacun représente, ainsi de suite. Voilà. Il fallait que je vous annonce ça. Boko kakoye bayango. Masolo na dopité. Allez. Na lingito solo la bande kolanga. Je commence par la situation ya Kwamutu. Oye komi na plateau de Bateke.
Ba makambo ezo sale makuna ya makasi. Et tantôt ba lobi ce sont le Rwandais. Tantôt ba lobi non, eza ba yakabazo bo mabateke. Yango honorable Willy Bolio akamati nzela akei na Monisco kosenga intervention de la Monisco. On a fait une force délégation de chef coutumier. Qu'est-ce que justifie votre présence ici devant le quartier général de la Monisco? Nous sommes venus saisir officiellement les Nations Unies avec un mémo pour dénoncer le laxisme du gouvernement de la République démocratique du Congo à protéger la tribu Teke. Imaginez qu'à ce jour, depuis le mois de juin, nous comptons plus de 2000 morts. On organise l'épuration ethnique des Teke dans les territoires de Kwamutu, Bagata et Kinshasa. L'épuration ethnique est un acte de génocide. C'est un acte de génocide. Et que le gouvernement se taise à quelques mètres des sièges des institutions, ça joue la complicité. C'est pourquoi, ayant constaté que toutes les commissions que le gouvernement a mises en place n'aboutissent à rien, et que dans l'entretemps, le gouvernement reçoit publiquement ce qu'on acquise comme commanditaire de ces atrocités, mais jamais le gouvernement n'a jamais reçu les victimes, ça nous prouve tout clairement que nous avons affaire aux sangliers et les juges cochons. Raison pour laquelle nous avons saisi les Nations Unies pour demander l'application de du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies sur la rupture de la paix. Que les Nations Unies viennent imposer la paix parce que le gouvernement en est incapable. Aussi, on doit instituer un tribunal spécial pour juger les assaillants. Parce que quand on les attrape, le gouvernement les enrôle dans l'armée. Nous avons vu à la télévision que les assaillants sont recrutés dans l'armée nationale. Au fait, on veut leur faire porter l'uniforme pour qu'ils viennent terminer leur mission d'épuration ethnique. Outre cela, on doit chasser par force, les Nations Unies doivent sortir par force ces assaillants pour permettre à tous ces déplacés non pris en charge qui sont partout à travers la République de pouvoir rentrer chez eux. On n'est nulle part mieux que chez soi. Tout le monde le sait, même dans votre propre villa, lorsque vous voyez un serpent entrer et vous ne le voyez pas sortir, personne ne pourra entrer dans cette villa pour aller dormir. Et dès lors que ces gens sont encore dans des forêts de Bateke, ces gens-là sont encore dans leur village, le gouvernement ne peut pas demander aux gens de rentrer là. Yewana boyo kiye na ba chef coutumier ya Bateke. Alobi le gouvernement azo yamba ba oyo bazo boma. Batu ao. Bamsou ba lobi ce sont les Rwandais qui tuent. Moi j'ai assisté à un débat hier entre deux députés. Donc bango nyonso mibale ba wutie pa Kabila msusu waza tilelo fidèle à Kabila. Il s'agit de l'honorable Willy Bolio place Azalea Yebi. Na collègue na biso mususu azala ki mutu ya FCC. Moi j'étais comme témoin, je suivais. Selon l'honorable Willy Bolio, batu bazo boma batu kuna ezaba yaka. Na makambu na bango ya mombondo. Bango ne bazo boma. Lobi na tsela kibino, je ne sais pas si la régie va nous remettre ça. Nzombi oyaza chef coutumier yepe na ba mfumu ya bayaka ekomi bazo beta na bibotu ba na maloba ya koloba soki oza na message ya kupesa na mokonzi ya mboka ibo oza na message ya kupesa na mamambre ya gouvernement na ministre ya defense na ministre intérieur maloba eza na maboko na yo oloba. Monsieur le Président, Monsieur le Président, chef de l'État, Tshiteke du Tshilombo Tshiteke, Béton, Ngaï, Général Indong, Nazali Koyoka, Nganaza Rebelle, Nganaza Rebelle T, Ngaï Nakatia Mabele Oyo, na sala ki na bango ki kapita 12 ans. Er na sali na bango 12 ans, na bundisa ki bango te.
to bunda kinga na bango te to somba ki bazam er to sombi bazam bayeko bengana biso bateki zamba na batu mususu babandiko bengana biso jamais zamba basomba ngo de personne te au bino boko bengana biso to kokende wapi le même ibango babandeli biso mabe babandiko bomba biso bino bozolo ba o biso ba rebelle neti mfumu ya nkana wapi neti mfumu ya nkana yeyo na zoloba ateke la kabila et cause la ba 3000 hectares na mboka na ba mai yeyo bateke la ba general bateke la gouverneur oya mwashina ni litabola bempian mutozala koteka bazamba wana alinga kia sala oya sala kina kingankati biso to boya ki tokoki ko wela $200 te tokoki ko wela 500 000 te bujo bo bato kingankati basala lelo bakoma ko telengana biso to boya ki biso na kozala boyeke to bunda na bateke to zala ki ko bunda na basoda ya kabila a partir ya somba ki mabele eriya kotungisa bango bango bazokezwa renfort epai na ye apesi bango basoda baya kobundisa biso oyo alobi bayaka nde mtu bazoboma oyo alobi bateke nde mtu bazo luka ko recupere mabele na bango on ne sait pas finalement qui dit la vérité qui fait quoi. Mena debanga na yokati ya ba député mibale honorable Bolio na collègue na biso mususu collègue na biso wana zolo bana honorable Willy Bolio ke papa ngai na yo tozalaki ko kende kinga kati mikolo nyoso bonyo zo boya te ke ba Rwande bazo boma batu te ya lobi depuis ba banaki ko kanga batu bakangi combien de Rwande bazo la kisa kaka ba kongole ne mtu bazo la kisa. Wana lobike tangu bango bazalachi kokene na kingakati ko banda première barrière le Rwandais deuxième barrière bango moko troisième na ebite soke zalaka combien ça c'est ce que j'ai entendu na débat ya ba deux députés o bazalachi kokende kuna moi tambo je n'ai jamais été à kingakati na mona kaka nzela tangu tokenda ka maluku bazola kisanga kenzele ke kingakati yango pe na yo kaka ke kuna réseau le kakate. Et l'autre collègue dit à l'honorable Bolu, à l'obi, banani va kenge la kabanyama nyon soye za la gana kinga kati. Ce ne sont pas les Rwandais. Moi, j'étais en train de suivre nazo yoka débat entre les deux, au bazaki ko kende na kinga kati. Et comme il m'a pourquoi quand tu te rendais, tu ne parlais pas. Bande konangai. On ne doit pas être responsable de la déstabilisation de notre pays. Non. Et zana makamboye koki ko réunir biso. Et kotiko tsabiso ensemble. Et zana makambu to kotiko kabwana. On ne fait pas la politique partout. Et puis politique wana ya kobomaka batu pour avoir un positionnement et za yangote. Voilà pourquoi je ne cesse d'inviter les gens boya na action commune pour la République. Et pas na biso to bomakate. To sima makilate. Et o to zolo bana télévision yango to salaka. Voilà pourquoi lupango wane tonda kako tonda. Na kosa la ta mwa, renyo moko na lobi ba kandida eko tonda. Na lobi ba responsable eko tonda. E tonda kakaka, ata soki espace na biso ezamuke. Se samedi oyo, boya boko vivre ba makao. Nous devons sauver la République. Et combien de fois, parce que mouto ako loba loba, combien de fois biso te sauver mboka oyo? À l'Assemblée nationale, nous avons alerté sur ba sardine avariée. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, avec votre autorisation, je vais encore une fois de plus intervenir en Lingala, si vous le permettez. Je peux, honorable président. Oui, allez-y.
Honorable Président, ce qui n'a télémi pour la motion d'information Oyo, et Zapambate, je tenais à tout prix Yakolobelayan. Parce que la vie de nos peuples en dépend. En ce moment où je parle, il y a quelque chose qui se passe na port moko awa babengi en triac. Bazali ko chargé au moins 6335 cartons y a produits avariés. Et ces 6335 cartons, honorable président, Eza Basardine au Babengi Ani. Et à destination ya Kisangani Boyoma. Honorable président, Tokomi loko la passoire dans ces pays. Et c'est un service de l'État qui nous donne cette information, mais incapable d'arrêter ça. Et cette cargaison, Oyo Ezo Kendepona Koboma, population Nabiso, Ezaliko Salema, Ovi et au sud de tout le monde, et le service compétent ne parvient pas à suspendre. Les services qui nous ont contactés, président, Nazalaki Awa, Nabimi, Nakomi Kuna Balobi, honorable, ceux qui ont sali quelque chose, c'est 6335 cartons et Kokendekuna. Et comme système, ceux qui ont été expirés, honorable président, ont changé le carton avec la complicité de quelques services étatiques, à part ceux qui font l'exception. C'est ainsi, honorable président, je n'ai cessé de crier tout le jour. Nandenge tozo mona, les leçons qui ont été tout au long des fleuves, de notre fleuve, bazui bespaswana, bapesi bapaya, qui font très biloko sans que service à l'État. C'est un danger, honorable président. Nous avons vu, na Kinshasa, babouki sokopao, babouki qui pompage, et ça malamou yake batongi place à Mabe. Mais ba oyo bazo tchabiso en insécurité, misala ya l'État bazali sou capable de yako contrôler. Honorable président, awa ngai na lobi pona kosokola maboko, c'est à notre chambre, bazwa ba disposition. Et que ma collègue Nabiso ya Chopo, bazwa likamboyo sérieux. En ce moment, ce qui est Kitoko Kuta Babar Jewan, Nazana ba image, Nazana ba carton, ou nenge bazo chargé. Ba Congolais, ou ba monique, danger zali ko salema. Honorable président ba ebisi biso. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a plus d'une fois, ezala ba soso biso tozolia. Boyebi dans quelles conditions? Ezala ba misuni tozolia. Biloko ya kopola, honorable président. Mais on a demandé, na meti kokota en contact, na DG ya OCC, sans succès. Na meti kokota en contact, na ba service habilité ya keba kende ba stoppé. C'est un seul service de l'État, ne ke kuna pona ko stoppé. Ba sengi même keba décharger quelques cartons, bazo senga bango $400, pona ba oyo ba koti ko décharger, incapable de trouver sa faute de moyens, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, Nazo senga na bureau ya Assemblée nationale. Biso toza ba représentant ya peuple wana balingi balie se biloko akopola ndenge tozo liango na Kinshasa. Bazwa des dispositions qui s'imposent. Honorable président, soki okozwa téléphone na yo, peut-être yo bakoyamba yo poto komi kobanga kobenga benga. Soki okoti kosala quelque chose pour que ba barge wana ezana en triac o bazali ko charger va bloquer Yango pour que Moussala et Salema Malamu toko sauver notre peuple. J'ai dit, honorable président. Je pouvais aussi faire des courbettes et prendre l'argent. Ma conscience me dit que M. Tambo a sauvé la République. Je l'ai fait. Moussala ngai na kena kosala Yango. J'ai alerté ma kambouya ba morgue na Kinshasa. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Ndenge Boyebi Nazalaki Awa en date du 3 de ce mois, Nazwaki par une motion d'information, Nazwaki Maloba.
Nathalie Sakibino, oyo ngai na yokaki, oyo ngai na monaki. Et nazo remercier le bureau de l'Assemblée nationale parce que juste après, basale libiso ordre de mission pour nato kende ko enquêter. Mais dommage que quelques-uns de nos collègues bami kende la ki déjà avant que le bureau n'autorise. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, Bapa Yabazo respecté bisoté. Honorable Président, ce n'est pas de ça que je vais parler. Mais collègues, vous allez parler de quoi? Je vais donner... Non, non. C'est une émotion d'information qui je donne. Collègues, Tika Babu, Koya Roussala, Basseren, Boy. Hein? Ok. Bon, vous avez eu un ordre de mission. S'il y a un problème, rentrez au bureau. Je donne une... C'est non, une autre information. Si a... Non. Ouais. Merci, Président. Vous avez eu un ordre de mission, rentrez au bureau s'il y a des problèmes. Vous n'amenez pas ça comme ça directement à la plénière. Vous avez autre chose à dire. Vous commencez par là. Merci, Président. Ah non. Merci, Honorable Président Tokoya. Le losoki na telemi awa, Honorable Président, ngai na kobele la kakaka. Honorable Président Tozaba Eli ya Kishasa, na telema awa na bele la makambu oya ba station bakotonga partout na Kinshasa. Nathalie Saka, danger ezali ko constituer na banda kwa batu parce que ezo tongama na ba mapangu ya 20 sur 20. Mais na simanango honorable président o na telemeli lelo ezali kambu ya ba morgue. Honorable président ndenge oyebi ba client ya morgue ezabi bembe. Na Kinshasa j'ai tout un répertoire ya ba morgue. Ndenge bazali kotonga yango na Kinshasa ezala na ba caniveau ezala na ba câble ya courant ezala na ba tiyo yango ezali ko créer même ba inondation honorable président. Honorable président koluka ba client ya kokotisa na morgue honorable président batu ba koluka kobomisa batu ya pe honorable président oyebisi biso ndenge nini covid ezongi na ba maladie ebele. Nangonga oyo honorable président nazo ebisayo ba morgue ezalika ko servir pona ko bomba bibembete et komi ko servir en même temps de chambre froide honorable président. Honorable président bazali ko précipiter biso na liwa et au vu et au su de tout le monde. Quelle chambre froide? Pardon honorable président. Quelle chambre froide? Na lobby boye. Morgue. Oyo bazoto nazana liste oui. Awa. Quel morgue? Oui. Na lobby ba morgue oyo ba kotonga na ba quartier ezali ko jouer deux rôles honorable président. Nandenge ya moyiboye eza morgue bisika bazo bomba bibembe. Na butu ba onyonso basomba ka basoso, basomba ka mipanzi, soki basombite ba keko bomba ngona kati ya morgue honorable président. Dans quel morgue on le fait? Dites-nous. Je vais citer Nazana ba morgue nazo échantillon ya 7 parce que na ebaki ke okotuna nga mutuna. Nazana morgue ya Luindu ezana ozone. Nazana morgue ya Ngondo ezana Elengesa. Nazana morgue ya Point Final ezana Limete. Nazana morgue ya oyo ezali na maison communale ya Ngiringiri ezawana honorable président. Au vu ya échantillon on a PCO. Honorable président, ce qui totali d'abord na condition dans lesquelles ba morgue wane tongama et la manière dont ils sont en train d'utiliser doublement ba morgue wana tantôt en chambre froide tantôt en morgue. Honorable président, ce qui tozui ba disposition te bisonyon so ba tutolia kabilo ko libanda to kufa honorable président. Ata soki batu bakoma ki agité
ce que M. Tambo avait dit était vrai. Naya même qu'on développe qu'on bakisa makambu misusu les idées que nous nous donnons. Makambu tozali ko talisa batu ce que nous voyons dans notre pays. Mais ana batu ce qui a moni makambu akolobate parce qu'il faut tirer moi intérêt muke muke. Biso tozandenge wana te. Je ne cesse de vous remettre ba element nyon surtout ana pona okoka koyeba comment nous nous voyons les choses. Et tant que tozo zonga awa, c'est par obligation de redevabilité. Et on a le bakana batu. Ko critiquer kapambate, comparer nous avec les autres. Nathalie Sakibino, attitude de l'Assemblée nationale, tant que le DG Yasinel a yé. C'est comme si tout va bien, toza la kanakura, malam, malam. Même aux populations, n'a vu soit les lakabatu, bakoma bababa. Trois jours, quatre jours, c'était l'occasion, il y a Kotali SADG, au peuple, il y a vivre. C'est comme ça que M. Tambo a parole. Il y a posé un problème, pas collègue, il y a un problème. Monsieur le DG a télémi, il y a un problème. Il y a un félicité parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et awa, honorable président, toujours débattre sur base. Il y a réponse na ye. Il ne faut pas tobima awa neti tozo jouer na chauve-souris. Ba to liboso ba bimiao. Au chef de l'État, lokola uti ko nomé ye, ainsi de suite. Bozo kate ke bazo kanga batu na la police. Parce qu'on a falsifié. Ce n'est pas parce que mutu ba nomé ye pas chef de l'État, ne ba longoli prérogative ya contrôle, to ya interpellation. Honorable président, honorable membre du bureau, estimé collègue, na mukanda oyo esele deja lobike babengye na gauche babengye na droite omoni na zo vanda te biso to tuna kye makambu wana te makambu wa justice honorable président deja vandi wana bakenda ki bango snel comme partie civile dans un procès et tango okeyi comme partie civile accepter les conséquences honorable président de quoi nous parlons ici honorable président honorable membre du bureau estimé collègue tozana problème ya insécurité makasi wana Kinshasa. Nazo tuna honorable président otune langa monsieur le DG. Na Kinshasa combien ya ba départ unique tozalaka nango. Et puis ba bénéficiaire ya ba départ unique wana ezaba nani. Honorable président, soki ozui buku oyo. Ozo kutaka ke responsabilité ne ceza ya yete. Ne ceza ya yete. Non, azala ki DG. Je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale pour être commissionnaire. Na kenda na Assemblée nationale te pona comme coopérant. Ti et ça n'a pas coopérant en Assemblée nationale. Et ça n'a pas commissionnaire en Assemblée nationale. Mais c'est temps qui n'a qu'on représente un peuple. Oh, il y a bien besoin d'avoir. Voilà la différence. Voilà pourquoi Nazoloba. Cette Assemblée, ce qui 50 députés honnêtes, Bazalimbo, qui ont échangé. Je me suis époumoné pour que l'Assemblée nationale aligne question. Il y a Oezali Koleka, il y a occupation rwandaise. Na plénière, tout débattre. Depuis Nazonga États-Unis, Nalobeli Makambu ya ke to revoir ba accord biso to signé na bamboka musu sur le plan sécuritaire. Muto ko ke la monsieur Tambo azate. Maintenant là j'apprends que et assez il faut abim. Mais quel est le rôle que biso to zali ko jouer? Tangu to ye komona. Paul Kagame a lobby. Biso ba bengi biso na plénière to banika qui sont pour qui sont contre longo ya mukolwana proposition ngezaka ya malongate mais il y a la question de la république mais cet homme a pris la parole par motion. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, le 22 mars nazalaki awa pona kolobela likambu tangu tozaki kosala débat sur le calendrier ya session onu. Lelo na ye lisusu ko informer à la représentation nationale les dangers oyomboka na biso ezali na. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Il y a quelques jours seulement, le président rwandais a yoki sonité à l'Ekina Media pour na ko déclarer comment mabele ya Rwanda ezana Congo. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Eza
matière oyo tokoti jamais koti kala indifférent sans que toi informé bino honorable président. Des fois nous confondons ba petite rébellion na agression au tozanango victime honorable président. Na maloba na ye il met en cause ba limite oyambo kanabiso honorable président. Ezako déclarer la balkanisation de notre pays. Honorable président Ndenge Boyebi, depuis un certain temps, les territoires occupés par la force rwandaise, Boyokati Bazobi Misamakambuya, il y aurait des réfugiés congolais na Rwanda, alors que les réfugiés congolais bazan na Rwanda, t'es honorable président. Et les lots, ils ont juste une stratégie à repeupler les sols congolais par les Rwandais pour nous consacrer la balkanisation, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, na leki awa pour nous attirer l'attention de la représentation nationale par rapport à la situation où leki, contrairement à toute la situation créée par certains politiciens dans d'autres provinces, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, na yebite, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble comme la République? En ce moment où nous parlons, si biso toye, oui, to saliba loi, tozo salanyon, c'est parce que la République existe. Maintenant que cette République-là est menacée, honorable président, j'attire l'attention de la représentation nationale. Il y a que le Rwanda est déterminé à accomplir sale besoin naye pour na kokata éteigne yambo cannabis, honorable président. C'est sorti de la bouche du président rwandais. Ce n'est plus un secret, honorable président. Je me demande qu'est-ce que nous attendons pour statuer sur la question de l'est du pays, honorable président. Je l'ai dit, honorable président, que la situation en 2018 est à comparer à la situation aux annonces. Collègue Eliezer, honorable président, tout le monde a suivi le président Kagame. Honorable président, je peux terminer, honorable président. Oui, s'il vous plaît. Je peux terminer, honorable oui, président. Oui, terminé. Ok. Voilà, honorable président, Naloba avec insistance qu'il ne fallait pas confondre la situation de 2018 na situation Tozanango. Ah, situation à Beni Bouté, Mona Yumbi, et Zaya Kokompare à Wate. Bisotobeta, c'était telle élection. Lelo Kagame nous a déclaré la guerre, honorable président. Je demande à la représentation nationale, il y a que comme un seul homme, honorable président, to lever ma option sur la position du président rwandais, honorable président. J'ai dit et je vous remercie. Quand il a fini, il a été humilié par le bureau. Voilà, collègue Eliezer, je crois que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mboso, vous l'a dit à plusieurs reprises. Le président de l'Assemblée nationale l'a dit à plusieurs reprises. Il ne faut pas venir ici présenter une situation comme si l'Assemblée nationale ne faisait rien. Non, mais c'est l'impression que ça donne. Ou l'impression que donnent vos interventions. Comme si vous étiez seul préoccupé à cela. Nous sommes engagés dans la diplomatie parlementaire. Les Rwandais, nous nous battons avec eux sur tout le front. Nous répondons au président Kagame. On a dit c'est un état, ceci, voyou, cela. Nous nous battons. Il ne faut pas donner l'impression que nous ne faisons rien au niveau de l'Assemblée nationale. Ce serait méconnaître tous les efforts qui sont faits par les honorables députés. Ça, c'est une chose. Deuxième élément, la situation de l'Est du pays nous préoccupe au plus haut point. Si dans le passé, elle n'est préoccupée par l'Assemblée nationale, si sous l'ancienne législature, elle n'était pas préoccupante, pour cette législature, la nôtre, c'est une situation préoccupante, elle intéresse tous les députés nationaux. Et s'il y a débat, nous le ferons. Merci. Honorables députés et chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec nos travaux de ce jour. Nous vous remercions très sincèrement de votre participation très active à nos travaux. La séance est suspendue. Mais cela ne me décourage pas. Je regarde là. Et le monde retiendra ce que nous sommes en train de faire.
Toko organiser ba élection, toko sala ba marche ba zo sala. So kimboka ezali, so kimboka ekeyi ekosimbate. Bande konangai. Lobi nazui parole kambu ya masangu. Na lobi ezalakate. Tozana biloko partout. Na bumba biloko ezali, na lisala biloko ezali, na yakoma biloko ezali. So ki okeyi, kuna... Ok, na kitenge, masangu, ok, na kabongo, kitanda, se, misusu se a 200 km ya kamina. Mais on ne fournit pas l'effort pour na kosala yango. Je prie la parole. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Honorable président... Comme d'habitude, j'aimerais m'exprimer en lingala parce que je me sens à l'aise en lingala. Honorable président, soki na telemi awa ezapambate, encore une fois de plus, c'est pour na qualité la représentation nationale et aussi ko senga na bureau na biso que bazwa quand même ba disposition tant que tozo koyela ka bango ba information. Honorable président, Mikolo Oyo Soki Otali dans tous les coins de notre pays, Ozomona Kebilo Kwakolia Eko Matamakas, Masangu Emati, Bitoyo Emati, Madesu Emati, Bunga Emati. Honorable président, alors que tozana nyonso tozana oba benga kater arable que la plupart ya ba politiciens ba chantaka na ba discours na bango nzambe apesa biso kaka minerete apesa pe biso mabele ya koliesa ba congolais. Honorable président, si vous vous rappelez bien, na sala quand même une proposition awa tango tozaji ko sala la loi sur la proposition de loi c'est la loi électorale. Na lobaka ke lokola ba parti politique et komi mipiko na mipiko, honorable président, to pesa comme condition de recevabilité ya liste ya parti politique présentation d'au moins 300 hectares ya bilanga balona ba ololanga ina assemblée ao. Honorable président, honorable membre du bureau. Nangonga oyo tozali biso kolela biloko akolia, biloko ekangami na babar et na bagarre et belé honorable président. Naza awa na liste ya ba bisika biloko ezali ya kokangama. Soki oke na gare ya Kitanda, Masangu etondiwa. Oke na gare ya Kabongo, Masangu etondiwa. Oke ina kitenge honorable président, Masangu ezali bebo. Soki oke ina Bukama okokuta bitoyo. Soki oke imeme na Kanya makase awa Masangu ezali honorable président. Soki oke kuna epa angai na kabinda na lomami okokuta banguba na ba masangu etondi kuna. Honorable président, pendant ce temps biso tozotika oya biso awa tozokende koluka masangu na bamboka mususu Afrique du Sud na Zambie. Honorable président, ils a soni pona république na biso. Honorable président, la SNCC ezali société na biso moko. Moko d'entre nous, celui qui a la tête de cette société étatique, honorable président. Mais nazali komi tuna tosala eloko nini pour que batinda ba locomotive et que ne kobimisa ba masangu et bimisa biloko ezana gare ya Likasi, gare ya Lubumbashi, Luena, biloko nyonso tuan eko kakokoma na ba centre de consommation, honorable président. Mais nous voyons ba tunyonso bazota la mukilezo mona biso. Sept ministres, membres du gouvernement, n'a pas délégation, n'a pas coquin de Koluka Masangu, Bazongi, n'a Milona, n'a pas sa poche, honorable président. Et ça sonne. Yango, honorable président, ce qui te zoaka parole, ao, et ça ko senga bino, biro na biso. Boko ka quand même ko sunga biso, pour que certaines solutions, et zoama, honorable président, toko ti ko vanda te, le lomo ki le komi ko seka biso, parce que Dieu nous a tout donné. Et puis, même au Batu, je suis villageois, honorable président. Namboka wana ba masangu wana zomona ba zobeta masolo, tokata kabilanga na maboko na ba Congo, honorable président. On n'a pas de tracteur. Est-ce que bozo se mettre na place ya mokati bilanga, oyo a souffrant mingi, na suka moni biloko na enenge ni nezo pola.
honorable président. Voilà pourquoi j'ai pris à l'auguste assemblée et à notre bureau en particulier ce qui est fort requis que salema ya que les dispositions soient prises pour na kebako ka évacuer biloko oyo etondi na bagarre ezali kopola au besoin kotinda ba tracteur même pour des routes en terre battue, pas compacter ma belle pour que mi tout kere ka honorable président. Mais ceux qui t'ont salé en côté, ngai na éviter ceux qui t'ont yako salanine. Voilà l'information que je voulais encore une fois de plus apporter devant cette assemblée. Merci honorable président. Merci honorable. Nous croyons que les responsables de la CNCC suivent les travaux de l'Assemblée nationale en direct. Nous leur demandons donc de prendre les dispositions nécessaires pour que les marchandises qui sont bloquées dans les gares citées et d'autres puissent être acheminées au lieu de consommation. Tant qu'on a silici, bande comme Susungana habité, ce qui m'étonne et ce qui me fait mal, ce sont les gens qui prétendent avoir étudié collègue Abissonios. Yo kamut, ne quoi les airs, crise des armes mondiales, na l'obita ba moussous. Tala ba moussous. Ce qui crise, et ça la crise mondiale, si qu'on Afrique du Sud, des années, monde était bici, kaba kenaye kolou kama sang, la Zambie n'est pas dans le monde, tala niveau. Ce sont ces gens-là qui sont remplis sur les réseaux sociaux. Et qui veulent donner des leçons aux gens, parce que bango ba yebibo yebinini. Je suis villageois. Je n'ai pas étudié. Mais qu'on réfléchisse correctement, logique, il n'y a pas, Moussala, il y a quelque chose qui va être logique. Et ça, pour qu'on réfléchisse correctement. La crise est mondiale. Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire en Afrique du Sud? Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Zambie? Bango bazana monde, te bango bazana monde, moussous. Vivagana ma pata. Ta niveau. Et quand je parlais hier, Bande Konanga, aujourd'hui, les VPM, il y a l'économie vitale Kamere. Alors, il faut que tu aies recensé, bisika babilo kwa kolia ezali. Ce qui devrait se faire en amont, au lieu de kamataka, 7 membres du gouvernement, chacun se fait accompagner d'au moins 10 personnes et de maximum 20 personnes. Quand vous prenez 7 aujourd'hui, bambongo ya ba hôtel, ba billet d'avion, séjour, ba frais de mission, ba dépenser combien? Ils ont dépensé combien? Il y a quoi qui na Lubumbashi comme on a Fabien Moutombe, beaucoup de gens là rail tout monde qui est délégation on a écrit ils allaient inspecter bah rail bobongi si ce qui est à placer beba pour que bah locomotive et bah na construire qu'il est bah personne bah conteneur na bato bah wagon na bato pour que bah même habilo mais on ne fait pas ça quand Monsieur Tambo a parlé villageois de son état qui est bah tout misu sur bas au monde que bangonde grand prêtre qui réfléchissent niveau et à Moutoua, non, la crise est mondiale. Donc l'Afrique du Sud n'est pas au monde. Les Arabes, awa tozo kendaka na ba Dubaï, awa. C'est un désert. Biloko akolia ezangaka. Awa na Kinshasa bisika toza, les crises mondiales. Ba soda ba talisibino ke, ba zoteka, sa ke wana, o les hommes ont appris, ba zoteka ngona 18 000 francs, 8 dollars. Le commandant du service national a effectué le jeudi 4 mai 2023 une ronde dans les trois grands camps militaires que compte la ville de Kinshasa, à savoir le camp Kokolo, le camp Tchatchi et le camp Lufungula. Le général-major Jean-Pierre Casson-Okabui a tenu à s'assurer personnellement que, premièrement, la vente de la farine de maïs ne s'est jamais arrêtée, ce depuis septembre 2021 dans les cantines militaires. Deuxièmement, que les militaires et policiers continuaient à acheter un sac de farine de maïs à un prix social de 18 000 francs congolais, ce malgré la rareté de cette denrée sur le marché qui a fait que le prix d'un sac de 25 kilos est doublé, voire triplé. Et le commandant suprême, pour que je lui fasse rapport, il m'a demandé que je vérifie, que j'inspecte et que je lui rende le rapport, qui lui rassure que le prix de 18 000 francs est encore appliqué dans nos différentes cantines, ce qui est fait. Nous avons dans nos prévisions, le stock est encore suffisant pour aller jusqu'au mois de juillet, parce que le mois de juillet, le maïs qui sera produit à l'OVO ici, dans le Congo central, sera mis à contribution, mais aussi des grandes cargaisons qui viendront de Kanyamaka CC et des autres centres de production. Donc nous sommes à l'aise de ce point de vue-là.
Au-delà du maïs, les hommes et femmes en uniforme, ainsi que leurs dépendants, vont bientôt être approvisionnés en vivres frais. Une instruction du président de la République, commandant suprême des forces armées, que le service national, par le biais du général-major Jean-Pierre Cassin-le-Cabuc, compte matérialiser dans un bref délai. C'est pour vous dire que nous avons tout ici. Nous avons connu problème Zawad. J'ai suivi la vidéo de Madame Amida. Azola qui s'est biloko, azo tenir discours dans un champ. Dengue, mon frère Israël Mutombo confirmé. Moi, je n'avais pas encore suivi. C'est par la suite qu'on m'a envoyé ça. Nous avons des choses, mais on a une responsabilité. On ne sait même pas développer ce qu'on a. Ça coûte quoi, Yakozo, ba tracteur, ba compacté, ba mabele, nzela kabinda wana ba bongisi, bongisi bisika, ba tubatambo la kate, ba lekisi, ba compacté ata ya pamba. Yangonga ina loba kiboui. Le programme ya 145 territoires, si ça indépendait que de M. Tambo, villageois de mon état, on pouvait mettre ces moyens-là, na corrélier tout le pays, na banzela. Nous sommes comme automatique, biloko kokita. Mais quand on va construire une école plus loin là-bas, pour na, biloko ango ba koba na kome mangwa pi na ba vélo na ba moto na ba nini, ça coûte trop. Hermoko, nous allons laisser les chantiers comme ça. Mais ceux qui te font la kabanzela, muto okenda sombi batol. Batu ba wodi ko s'organiser, vous allez voir qu'on va développer. Ce qui est prioritaire, ce qui devrait être pris en priorité, c'était banzela pour désenclaver. C'est la réflexion d'un villageois. Et tant qu'on a le bel akima sangu, je suis villageois, je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Tokata kabiso ba villageois, tokata kabilanga na Congo, on n'a pas de tracteur. Mais moutoua si a souffrir, a moni biloko na ezo pola. Mais, parce que M. Tambo a parlé hier, le gouvernement a pris conscience. J'ai joué mon rôle. Encore une fois de plus, M. Tambo est en train de sauver les vies. Bao bazana biloko eza bloqué na ba likasi. Bao bazana ba biloko eza bloqué na ba kami na ba kitenge ba. Bao bazana li salabo eva ke bientôt là, boko zo la possibilité à évacuer ceux qui va respecter o ba uti koloba. Boko yo kangolo bi na conseil de ministre. Monsieur Tambo n'est pas quelqu'un qui parle par hasard. Je suis allé servir ce peuple là, je les servirai. Ngai nazate lokola batu o ba bamona kazo kolate tala mutu moko saleli biso papa na bibite so ki boko balance lenga eloko wana ce n'est pas ma réflexion mais je suis tombé sur ça sur les réseaux sociaux balobi année de décès et âge de quelques artistes musiciens en RDC échantillon balobi wana bavon Marie akufa na 26 ans en 1970 Grand Calais 53 ans en 1983 Nico Kassanda 46 ans en 1945 et 85. Franco Lombo, 51 ans en 1989. Soki Dianzenza, 36 ans en 1990. Soki Vangu, 43 ans en 1990. Epon Poloai, 44 ans en 1990. Pongolove, 34 ans en 1990. Abeti Masikini, 40 ans en 1994. Bokelo Isenge, 55 ans en 1995. Ntesa Dalieste, 49 ans en 1996. Madiata, 57 ans en 1997. Lengi Lenga, 44 ans en 1998. Dido Yongo, 45 ans en 2000. Madilou System, 57 ans en 2007. Wendo Kolosoi, 83 ans en 2008. Ali Pacino, 36 ans en 2008. Bini Ombale, 59 ans en 2011. Mbuta Machakado, 59 ans en 2011. Debaba El Shababa, 50 ans en 2011. Ilo Pablo Bakunde, 60 ans en 2011. Dombe Opotum, 68 ans en 2012. Mabele Lissi, 54 ans en 2012. Taboulei, 73 ans en 2013. Alain Moloto, 52 ans en 2013. Redo Likinga, 59 ans en 2013. Kester Emene, à 57 ans en 2014. Marie Missam, 41 ans en 2016.
Lutumba Simaro, 81 ans, en 2019. John Poi, 39 ans, en 1993. Defao Matumona, 63 ans, en 2021. Le total de ces âges donne 1551 ans. L'artiste et musicien congolais meurt en moyenne à l'âge de 50 ans. Bandeko. Tant qu'on a tombé, pourquoi j'ai préféré vous lire ça? Parce que j'estimais que des fois, bazo vivre na dépassement, na glissage. Na glissement plutôt. Glissement pourquoi? Espérance de vie na biso ezalaka ya 45 ans. Ce qui peut éviter. Ezalaka ya 45 ans. Mon komona moutou, ozana 30 ans, 35 ans, ozomi mona trop jeune. 40 ans, yo wano, komi ko tcha basiraj. Non, c'est pas ça. Salabolam ou chaque fois que vous avez l'opportunité de le faire. Salabolam parce que yebito wokou fatala, espérant de vie à ma musicien wokou ta 50 ans. Sotie, o komi na bonus. Mon ko salabilo ko loko la, o kokou fate, qu'est-ce que vous allez léguer à vos enfants? Voilà place ngana zo mona buzo baba tumisu ke mutu ezo salate. To uti kole la collègue nabiso un pasteur parti Zobel Milolo. Il est parti. Nous sotikali. Nous devons j'ai vu ses enfants inconsolables. Sa chère épouse inconsolable. Et c'est la vie de nous tous, on va quitter un jour. Salabolam chaque fois que vous avez l'opportunité, je salue, je vais vous contacter. Bandoko tant on a belle la ki pona ba jeune wana ba boto la ki mbongo. Mususu alobi benganga na bengi bangote na kobenga bangoto kusunga na kapandan ke nous sommes là. Nous sommes que des passagers sur la terre des hommes. Et voilà pourquoi bison action commune pour la République. Tozo tali sakabatu. Boya to sala la politique autrement parce que nous exerçons ce qu'on appelle le pouvoir de l'amour. Tozo batu te yakobana kobomisaka batu na kwa mutu, kobomisaka batu na este, kobomisaka batu na batete la kuna, kobomisaka batu na basake na Lubumbashi. Parce que vous voulez avoir un discours. Ça, c'est la sorcellerie. Kindoki. Yangoan. Ça, ce n'est pas la politique. Moutoazo ko sabatoazo lo banazo salabango politique. Non. À l'action commune pour la République. Oui, nous sommes capables. À ser chaud. Tokobanga, Tokobangis. Ezaté na deux parties. Nalobakana batoko lobana yo bozoke. Moi je vois, je ne sais pas ce qui batobatia bango na moulili ya modèle ni. Ozomo na penza que président parti oyo vraiment mouyibi oyo. Ok, pe okoti. Donc il y en a qui se ressemblent et s'assemblent. Omoni penza que président parti oyo un assassin, un malfaiteur. Ok, okoti. Et vous avez le courage de vous présenter. C'est pas possible. Boya tokuta na samedi na 9h tokozala na cabine da 102 croisement Kasavu. On peut sentir que les capables sont là. Comme avant, parce que kotonda. Allez, tout mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous, les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais les dire.